Bonsoir. Vous êtes en face d'un hors-la-loi, hein, vrai. J'étais en zonzon ce matin. Oh putain, le chat il est... Ouais, j'étais en zonzon ce matin. On est sorti grâce à la tutosphère. Pas que. Ouais, on a pris des risques, hein. On a toujours... Ouais, il y a même une musique qui tourne. Là, ça se trouve, elle sera copyright dans plusieurs années. Et on sera baisé, hein. On en parle rapidement. Parce que moi, je voulais plutôt parler du... Putain, j'arrive plus à parler. Ouais, c'est ça, quand t'es banni après, tu vois l'émotion, tout ça. Non, mais en vrai, tu vois, j'ai pas envie de forcer sur ça. Déjà, c'était assez insane. Je me connecte à Twitter, je vois que c'est top intendance. En fait, il y a eu aucun impact. À part qu'on a perdu beaucoup de follow. Alors, pour vous expliquer rapidement, comme ça, on part vite sur ce sujet-là. Tu vois, en plus, je crois qu'ils en parlent dans Popcorn après, tout ça. Il y a même PA qui m'avait proposé de passer tout ça. Mais j'étais en mode, de base, moi, je voulais juste faire un petit récap du chiffrage, tu vois, comme j'avais annoncé hier en live. Ouais, ça m'a unfollow. Ouais, ça m'a unfollow beaucoup et ça me casse les couilles. Pourquoi 2,4 millions, what? Non, mais encore, ça va, ça remonte petit à petit. Parce qu'en gros, j'étais à 3 millions. Et du coup, je me suis fait ban durant cette nuit. Ça m'a unfollow aussi, fait chier. Ouais, mais ça m'a unfollow plein. Doig, on était dans le train ensemble, il a fait, mais attends, mais je suis plus follow à ta chaîne, comment ça se fait? J'étais en mode, mais Doig, tu es un faux frérot en fait. J'ai été ban du coup de 4h du matin à peu près. Donc moi j'étais dans les bras de Morphée, hein, je vais pas vous mentir. Vous voyez que je venais peut-être de me coucher, on a passé une petite soirée après le show qui était plutôt arrosée, j'ai envie de vous dire. On a fêté ça quand même parce que c'était vraiment. Moi je trouve que c'était un show réussi. Du coup j'ai été ban de 4h du matin jusqu'à je crois 14h, un truc comme ça. Pourquoi j'ai été ban? Oui, c'est vrai, la première question c'est pourquoi j'ai été ban. Parce que j'ai deux strikes sur ma chaîne et d'ailleurs je les ai toujours, je vous montre quand même. Compte en danger, cette fois-ci je l'ai en français. D'habitude je l'avais en anglais et le mot terminated me faisait peur. Du coup là en français la traduction c'est suppression. Votre chaîne a reçu deux avertissements pour atteinte au droit d'auteur. Au troisième avertissement pour atteinte au droit d'auteur sur votre compte, ce dernier risque la suppression. Donc attention, j'ai été débanni, mais ça ne changera. Alors pourquoi j'ai été banni dans ce cas-là? J'ai eu deux strikes pour le DMCA. En gros, il y en a eu un premier, c'était au The Event. Je sais pas si c'est celui-ci ou celui d'avant. Je crois que c'est celui d'avant. Donc c'est il y a longtemps où on avait fait le A-Tracking. A-Tracking, c'est un truc que tu mets sous ton PC. Il enregistre ce que tu es en train de regarder sur l'écran. Donc c'est trop bien, la technologie incroyable. Et du coup, quand tu fais ce genre de choses, tu essaies de mettre les faiblesses de l'homme, des culs qui bougent de partout. Du coup, je suis parti sur YouTube. On a trouvé un clip où il y a pas mal de culs qui nous a sûrement été conseillé par le chat. Et cette musique, elle était, parce que j'ai sûrement pas coupé le son, ça se trouve le son on l'écoutait même pas, mais il est passé sur live. Il y a des culs qui bougeaient de partout. Celui qui était sur le eye tracking à ce moment là ça se trouve c'était moi, il a dû se faire baiser. Et en même temps, quelques années plus tard du coup, on se prend un strike parce que la musique elle est giga connue, elle doit avoir peut-être 200 300 millions de vues, je ne sais plus. Enfin bref, ça c'est le premier strike. Ok, hashtag mérité, t'as voulu voir des culs, tu te prends un strike. Ensuite, le deuxième strike, une musique d'une playlist de polo qu'on va peut-être licencier suite à ça, hein. À cause de lui on s'est pris un deuxième strike et même un troisième, vous allez comprendre pourquoi. Dans sa playlist, il s'est fait une petite playlist de boomer. Ah, vous connaissez Polo, il est quand même plus âgé que nous, tout ça. En plus, il va revoir s'il est pas là maintenant tout de suite. Il verra la rediffusion, il va m'insulter. Mais bref, vous savez, en début de live, des fois, il met ses petites playlists de boomer. Donc avant une émission, etc. Donc c'est la playlist que vous entendez quand vous faites. Oh là là, ils sont encore en retard. C'est pendant ce temps-là, il y a ces musiques qui passent. Du coup, il a pris des musiques no copyright. C'est une playlist qu'il a depuis longtemps. C'est un boomer. Hein. Il a peut-être 40 ans d'ancienneté. Non, j'abuse, il a pas. Mais bref, dans sa playlist, il y a une musique qui était inconnue au bataillon, qui était no copyright il y a plusieurs années de ça. Qui maintenant la musique explose. Elle est devenue copyright, ça s'est fait racheter sûrement par je sais pas quoi, Universal ou j'en sais rien. Et bref, maintenant il a gardé sa playlist, sauf que maintenant c'est copyright. Et du coup sur plein d'anciennes VOD qui datent, c'est arrivé, donc on s'est fait strike une deuxième fois. Et en gros cette musique elle s'est fait strike à nouveau, donc c'est la même musique mais sur une émission différente, parce que oui effectivement elle passait tous les lundis. Et du coup en fait le troisième strike c'est la même musique. Je pourrais pas vous donner le titre, mais Polo Laura, c'est une musique qui passe souvent avant les émissions. Bon maintenant elle passe plus, elle passera plus. Et du coup c'est pour ça qu'on a été débanni, on a été ban. Et ce matin Elise, dès qu'elle a vu que j'étais banni, elle a fait un mail indiquant que effectivement on s'est déjà pris un strike par rapport à cette musique au préalable et que du coup on pouvait logiquement retirer un des deux strikes parce que c'est la même musique. Ce qui a été fait, oh là là, mais le mauvais réflexe que j'allais faire, j'allais copier-coller, aller sur YouTube et l'écouter. Non, faut surtout pas. Et du coup voilà, Elise ce matin elle a envoyé un mail etc, Twitch a été assez réactif et du coup effectivement ils ont été en ok. C'est faire, mais du coup, comme je vous ai montré juste avant, on a toujours nos deux strikes, l'ardoise n'a pas été effacée. Et ça, c'est un peu dommage. C'est des strikes qui datent depuis longtemps. On s'en prend pour des musiques qui n'étaient pas copyright à l'époque. J'en ai parlé par exemple avec Cyril ce week-end, qui était un des guests du Chiffrace. Et bref, du coup, on a toujours ces deux strikes. Sur YouTube aussi, il y avait un peu ce délire-là de no copyright sound. Par exemple, il y a une musique de. Je crois que c'est Macklemore. Je sais plus quelle musique c'est, mais une musique maintenant giga connue. Si je vous la fais écouter, vous serez en mode bah oui, évident. Mais dites-vous qu'à l'époque de Call of Duty, tous nos montages, etc., on la mettait en fond parce que c'était no copyright sound. Sauf que depuis, il est devenu giga connu. Depuis, la personne
percé. Et depuis, en fait, toutes ces musiques, maintenant, tu dois payer des millions si jamais tu veux les diffuser. Il y a plein de musiques comme ça. Quand on faisait nos vidéos YouTube sur Call of Duty à l'époque, qui étaient nos copyrights et qui le sont passés plus tard. Donc, il y a des vidéos qu'on se strike maintenant sur YouTube. C'est un peu moins méchant. Sur YouTube, c'est un peu plus cool parce qu'en gros, si jamais la musique ne t'appartient pas, à moins que les Universal, etc., qui sont derrière, soient vraiment vénères, en fait, juste la monétisation ne te revient plus et va à l'auteur de la musique. Là, c'est un peu plus compliqué sur Twitch. On est un peu en retard. Moi, c'est terrible que ce soit rétroactif. Surtout que, encore, si tu prenais la musique maintenant qu'elle a percé, que tu l'as diffusée sur ton contenu, je comprendrais parfaitement que tu te prennes un strike. Mais il y a des choses que tu as fait il y a plusieurs années et te prendre des strikes aujourd'hui pour ces musiques-là. Bon, après, bon, non, je dis ça, mais par exemple, pour la playlist de Polo, bah, on a dû faire peut-être un lundi où elle est passée et c'était récemment. C'est juste que, bah, on savait pas que la musique était, tu vois. Mais du coup, faut faire attention. Tu te sens un peu oppressé, quoi. À tout moment, ta chaîne saute parce que, oui, c'est vraiment bah, le message. Hein, je vous le relis. Au troisième avertissement pour atteindre ton droit d'auteur sur votre compte, ce dernier risque la suppression. T'as beau être legit stream depuis des années, etc., sur la plateforme, même pas un ban 24 heures au début ou une semaine ou peut-être un mois, tu vois. Allez, une année, allez, c'était vraiment méchant. Non, c'est suppression, quoi. Et bref, du coup, on s'est fait des bans. Un grand merci d'ailleurs à Twitch pour ça, parce que bah, ils ont été assez réactifs par rapport au mail. D'ailleurs, ça sert à rien, les gars, j'ai vu. Un grand merci à vous parce que c'était top intendant, ça a fait le tour et je pense que c'est ce qui a fait peut-être que ça a été plus réactif du côté de Twitch, etc. Twitch France a sûrement ensuite envoyé des mails à TwitchUS en mode oui, effectivement, là, attention, on se prend un peu la sauce sur Twitter, donc si vous pouviez regarder vos mails. Et... un grand merci à vous, les gars, pour le soutien, c'était incroyable, top intendance, etc. Je n'étais même pas au courant au moment où c'était en train d'exploser de partout, mais vous êtes des monstres, donc un grand merci à vous. J'ai vu tous les drapeaux, tous les gens qui soutenaient, etc. Ça fait plaisir de se sentir soutenu et de se dire que t'as un peu le respect de la communauté, etc., et qui sont quand même là pour toi quand t'en as besoin. Donc un grand merci à vous, ça fait chaud au cœur quand même, les gars. Faut pas non plus en vouloir à Twitch France, qu'ils ont aucun pouvoir sur ça, les gars. C'est à dire que là c'est plus haut, c'est Twitch US, c'est un peu comme le ban de Ponce. En gros, bah ils ont des règles de base. Twitch France, ils ont bon t'aimer, ils auront bon te faire des cadeaux pour les 2 millions, 3 millions de followers. Et de toute façon, les 3 millions de followers, je sais que je les ai eu, les gars. Ils m'ont eu une table de ping-pong pour me fêter mes 3 millions de followers. Donc rendez-les moi là, parce que oui, du coup, on s'est fait ban, on s'est fait déban, sauf qu'on est passé de 3 millions de followers à 1 million 2. Je me suis fait voler 1 800 000 followers. Je t'assure, Dwag. Dans le train, tu sais, il était en plein sommeil, etc. Il a suivi un peu tout ça, machin, au moment du déban, tout ça. Il me fait Gota, t'as vu ou pas? Tu sais, mais genre en mode, tes petites voix, etc. Doigos un peu stressé, tu vois ce Doigos là? Gota, t'as 1 million 3 sur ta chaîne, c'est normal ou? Il était en mode, mais regarde Gota, je peux appuyer sur le bouton follow. Et du coup, Doig a dû me refollow, donc maintenant, Doig, quand tu vas passer sur la chaîne, il y aura marqué follow depuis 8h, quoi, genre. C'est terrible, ils ont enfin supprimé tous tes bots. Ah bah, il y en avait beaucoup alors, hein. Mais pourquoi il y a des bots qui parlent dans le chat, bordel? Mais en tout cas, ça fait peur. Quand t'as build une communauté pendant des années et que t'en perds la moitié d'un coup, ça fait peur. Ça fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Ouais, mais du coup, c'est terrible parce que quand on fait un petit tribunal, tu vois, un peu random comme ça, un petit gars qui passe sur le chat, etc., bah souvent t'as un peu une référence, tu vois, quand tu regardes depuis quand il te follow. Tu vois, le mec, si il a un peu débordé, mais il follow la chaîne depuis bah justement 2015, t'es en mode ok, c'est un ancien. Là, le problème, c'est qu'il y en a plein, du coup, il y aura cette date. Ouais, ça sera du coup. Le 21 ou le 22 juin. Oh, c'est terrible. Du coup, ça fausse trop de trucs. Moi, j'ai dû refollow. Check ma date, Capella. Follower depuis il y a 6 heures. Oh non, Steph, t'es un petit nouveau maintenant. Tu vas te faire prendre de haut par la communauté Rocket League. Elle me suit depuis plus longtemps que toi, en fait. Bah alors, Steph, retire-lui son VIP. Bah ouais, comment il peut être VIP, gros? Il me suit depuis 6 heures. C'est quoi ça? Tu sais, j'en rigolais parce que je parlais un peu avec Domingo par DM, etc. J'en rigolais un petit peu en mode je suis hors la loi, tout ça, machin. Mais tu sais, c'est un peu le ban nul, quoi. Tu sais, ça te rajoute pas de la crête, quoi. Parce qu'en plus, il y a plein de sites de trackers de stats, etc. Il y a un espèce historique, comme un espèce de casier judiciaire. Il y a marqué maintenant un ban. C'est terrible. J'ai un casier maintenant, les gars. Mais je pense, vas-y, faut qu'on se mette tous d'accord pour, tu vois, ban pour les DMCA, c'est un peu naze. Donc venez, on essaie de trouver une histoire, tu vois. Un truc à dire à mes enfants plus tard. Ouais, tu sais, ton papa à l'époque, c'était un délinquant du live, tu vois. Un truc sale, tu vois. Faut qu'on trouve une petite street cred en mode je me suis fait ban parce que oh, j'étais un ouf dans ma tête, tu vois. Tu t'es fait ban pourquoi? Bah, à un moment, tracking. Ouais, il y a une musique qui est passée qui était copyright. Et puis, bah, quoi d'autre? Ah ouais, pendant les pré-lives, il y a une musique connue qu'on a mis, voilà. J'ai vraiment une racaille, moi. Ah, je sais pas, faudra qu'on trouve un truc, les gars. Un truc street cred, tu vois, on mentira, tant pis. Et puis, pour les nouveaux sur Twitch, comme ça, genre, on leur mettra cette image, tu es une légende, tu vois. Ouais, un jour, il s'est fait ban Gotaga. Ouais, le fameux Gotaga, il s'est fait ban parce qu'il a fait ça, tu vois. Et ce ça, faut qu'on trouve quelque chose de dingue. Mais ouais, voilà, c'était c'est juste pour vous dire ça par rapport au ban. J'ai vu qu'il y en a beaucoup pour me défendre ce que je disais tout à l'heure qui sont partis attaquer Twitch France. Oui, mais c'est inadmissible Twitch France que vous banniez Gotaga, oui, qui est un gros streamer francophone machin. Ils y peuvent rien. Enfin, c'est pas méchant les gars, mais ils ont aucun pouvoir. Et au contraire, s'ils pouvaient m'aider, je pense qu'ils le feraient, tu vois. Ils ont toujours été très gentils avec moi, dès que j'ai besoin d'aide, ils sont là, etc. Mais ils peuvent pas juste bon bah les gars, Gotaga, on fait sauter les amendes, hein. Vas-y, écoute ce que tu veux. Tu veux écouter Dibouba, vas-y, amuse-toi mon petit gars. C'est normal qu'il y ait pas forcément
forcément de passe-droit. Et dans tous les cas, bah, ce genre de décision, c'est Twitch US et ils y peuvent rien. Ils pourront peut-être justement appuyer une demande que tu fais. Imaginons que tu veux contester un strike ou quoi que ce soit, ils pourront t'appuyer, t'aider. Mais dans tous les cas, c'est Twitch US qui prendra la décision et ça sert à rien de les incendier parce que j'ai vu dans les mentions de personnes qui essaient de m'aider. Et d'ailleurs, merci pour ça. Mais Twitch FR, ils en ont pris. Ah ouais, cette matinée, je pense que leur mention, ça devait être quelque chose. Twitch US, ils unban les deux meufs là. Bah alors, ça, c'est un sujet, voilà, pente glissante un petit peu. En fait, il y en a certains qui confondent un peu tout. Parce que par exemple, il y en a beaucoup qui, pour me défendre, qui avaient des propos très misogynes à ce niveau-là, en mode oh là là, mais attends, vous bannissez Gotaga alors que ces deux filles-là. Alors qu'il n'y a aucun rapport. En soi, oui, effectivement, il n'y a aucun rapport entre les deux. On s'est pas fait du tout ban pour la même chose. C'est pas du tout le même contenu, c'est pas du tout la même chose. Faut pas se servir de moi, de mon ban, pour attaquer un problème que toi tu trouves par rapport à d'autres contenus qu'il y a sur Twitch. Et il y en a certains qui avaient beaucoup de haine en eux et étaient très misogynes. Tu vois, il y a des façons de dire, tu vois, il y a des contenus que tu peux ne pas aimer. Moi, j'avoue que c'est du contenu, par exemple, que je n'aime pas. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, surtout avec son corps, etc. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est plus le côté où il y a des fois où, genre, je vais faire un live de poker, par exemple, dans quelques jours, je devrais mettre mon live en plus 18. Et je trouve que, par exemple, ce genre de contenu, effectivement, cocher la petite option plus 18, tu vois, ça pourrait être. Mais après, ça, c'est les avis de chacun. Je fais pas partie du staff de Twitch et si eux, dans leur ligne directive, c'est autorisé, bah voilà, tu vois. En soi, c'est intelligent, elles gagnent tellement. Ah non, mais elles sont malines, elles jouent un petit peu avec les règles. Et le truc, c'est que c'est un peu comme le contenu YouTube. Tu vois, par exemple, il y avait un contenu YouTube, pas que je critiquais, mais quand les gens me demandaient mon avis dessus, bah c'est un peu pareil comme ce contenu là qui est actuellement sur Twitch. Bah, je disais que c'est pas franchement quali. Bah oui, effectivement, par exemple, si tu veux voir de l'ASMR, il y a vraiment des gens qualifiés pour ça et qui le font bien. Et c'est pas détourné, c'est pas machin, etc. Je trouve que c'est un peu détourné, effectivement. Quoi, la méta YouTube a un peu changé comme ça. Il y a eu tout le délire de dégustation de burgers, je prends ma douche avec des Red Bull. Tu sais, il y a eu un peu du contenu que j'ai appelé un peu cacaboudin à l'époque sur YouTube. Il y a une méta qui s'est instaurée qui est devenue full ça. J'étais en mode bah ouais, ce contenu là, en fait, c'est nul que ça commence à arriver, que ça commence à se changer comme ça. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui aussi, vu que ça concerne des femmes et qu'il y a ce côté où ça implique de parler de leur corps, etc., etc., tu peux pas t'exprimer aussi facilement et c'est pour ça que c'est un sujet assez compliqué et un peu. Terrain glissant. Après, non, ça excuse pas du tout ceux qui sont très très misogynes avec des propos voilà, très virulents. Bon, ça c'est très 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 moyen, tu vois. Après, attention les gars, par exemple, vous dites que Twitch ne fait rien, etc. Mais par exemple, là, elles ont été bannes pour justement le contenu qu'elles ont fait. C'est pas DMCA, c'est pas machin, c'est parce que le contenu là, pour le coup, n'était pas en règle. Mais bref, c'est pas le sujet. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il est en règle. Nous, faut faire attention à la musique, les gars, c'est comme ça. Merci encore une fois du soutien. Et puis, voilà, on a été acquittés, les gars. Enfin, acquittés, non, on a un casier maintenant. On a un casier judiciaire Twitch, mais. Et ouais, voilà, hein. Pas trop dur la garde à vue, bah ça va, c'était une garde à vue où j'étais pas conscient. Donc moi je suis arrivé un peu après la guerre, tu vois. Heureusement les gars que ça arrivait qu'aujourd'hui, dur, hein. Imaginez. Oh les gars, 19h, Gotaga Shift Race. Et là la chaîne n'est plus disponible. Oh là là, t'imagines, tout le staff, tous les moyens mis en place pour se faire ban à cause d'une putain de musique. Parce qu'au final, ça s'est joué à quelques heures finalement. Incroyable chose, juste le pauvre troisième qui du coup n'a pas été sur le podium à cause des calculs. Alors attendez, je vais m'expliquer sur ça. Alors je vous explique juste vite fait la fin. Rappelez-vous, à la fin, j'aurais bien regardé la rediff en même temps, mais la vidéo sort demain d'ailleurs, donc c'est assez rapide, assez fast. Hein. Il y a un monteur qui a fait deux nuits blanches là pour vous la sortir assez rapidement. En gros, nous on commente la dernière course. On sait que voilà, il fait premier justement. Et on est en mode, bah il passe forcément deuxième, on voit le classement. Tout le chat nous dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous on le dit à la régie, on le redit en mode ok, c'est faux, il y a un recalcul qui va être fait. Donc là on sait que le podium est erroné. Qu'est-ce qui se passe? Nous on nous appelle sur la piste parce que Doug du coup lui il avait pas les informations dans son oreillette, on lui a pas donné. Doug il commence à faire le show, etc. En mode il accueille machin, le podium commence à être mis en place. Nous on rejoint les autres, on parle avec les guests en leur disant oui les guests après vous nous rejoignez machin, etc. Niveau organisation c'était un peu chaud, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cut une course parce que du coup la nuit tombée et les gars c'est un circuit les gars. C'est pas la salle des fêtes du petit patelin voilà en cambrousse où tu peux vite fait gratter une demi-heure, une heure, voilà ça passe tranquille. Bah les gars c'est un circuit de grand prix. De Formule 1. De base, on devait déjà finir l'event, je crois, 20 minutes avant. On a pris du retard. Les gars, en fait, après le live, il y a tout ce qui est démontage, etc. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qu'il y avait, les moyens mis en œuvre, en fait, tout le setup qui était sur place. Après, tout ce setup doit dégager avant la fermeture. Réducteur, ta comparaison. Mais non, mais c'est pas ça. Mais effectivement, la petite salle des fêtes que tu loues pour tes 16 ans, tranquillou, ils disent bon, vous faudrait nous la rendre demain à 9h du matin. Si tu grilles un petit peu, ça va. Ou au pire des cas, tu payes 50 balles en plus. Là, c'est pas pareil avec un circuit de Formule 1. Il y avait le directeur qui était là, qui a regardé tout le show avec son fils. C'est pas pareil. Ok. Heureusement que son fils il était fan parce que sinon je pense qu'on aurait été dans la merde. Ouais, non, mais vous rendez pas compte, ça courait de partout, les informations, etc. Nous sur live avec Julien on était en mode. Alors les gars, il y a une petite erreur, c'était chill hein. Ouais, une petite erreur, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Ah ouais, putain, il va dire Bolzi au prochain Grand Prix. Ah, c'est marrant ça. Oui, Julien, oui, oui. Mais c'était le feu à côté. Ça, vous le voyez pas en live, mais c'était le feu. Et du coup, bref, on arrive, etc. La remise de prix. Dites-vous que au moment où Yannou, je crois, met la médaille autour du troisième, le troisième lui dit je ne suis pas troisième, c'est lui qui l'est. Donc il le savait, vous inquiétez pas. Les participants savaient le classement. D'accord, ils sont pas bêtes, les gars, les calculs sont simples. Il y en a un qui fait P1, P4.
en 3 courses, puis un P4, c'est sur le podium, hein, tu vois. Donc vous inquiétez pas, ils le savaient. Donc on fait le truc, on fait le podium, on fait le show, etc. On dit au revoir à tout le monde. Et juste après, du coup, il y a Elise qui vient me voir en mode bon, là, il y a eu un problème, le bot qui fait les calculs, etc. Effectivement, était erroné. Donc moi, j'engueule comme d'hab, hein, je fais le petit salaud en mode putain, mais Elise, comment on a pu faire ça, bordel. Même nous, on l'a dit. Oh putain, on est monté à 2 millions 5 followers. Putain, mais la hype, putain, on est en train de percer, les gars. On va bientôt rattraper Squeezie. Attends, Squeezie, il a combien de followers? On va faire un Squeezie first ou Gotaga first. Il a combien de followers, Squeezie? 2 millions 9. Il a 2 millions 9, les gars. Faut qu'on le dépasse, faut qu'on ait les 3 millions avant lui. T'en as 2 millions 5, les gars. Ça va être le dernier rush, hein, final. Hein. Je suis en train de faire le mec, mais si jamais on récupère pas tous nos followers, ça va être terrible. J'en étais où? Je parlais de quoi déjà? Oui. Donc bref, on fait le podium, tout ça. Le drone trop stylé. Vous avez kiffé les plans drone? Ah, c'était bien quand même commencer avec le drone. Hein. Donc hop, on dit au revoir et tout. Et puis là, du coup, Elise vient me voir, machin. Elle me dit ah oui, effectivement, le podium était pas bon. On s'en doutait tous. Donc après, on va voir tous les participants. On fait des photos avec tout le monde. Et voilà. Donc après, on va voir justement celui qui a vraiment fini deuxième. D'ailleurs, j'ai même retweeté la photo qu'on a fait ensemble sur Twitter. Mon chouchou avait fini troisième et du coup, il est rétrogradé quatrième. Et celui qui avait fini deuxième, bah du coup, a perdu 5000 balles d'un coup. Il est passé troisième. Vous inquiétez pas, il comprenait. Ils étaient déjà tous super contents parce que je sais pas si vous rendez compte, les gars. Les mecs, n'ont entre guillemets rien fait, ils sont qualifiés durant un week-end, ils sont juste inscrits sur un Discord, ils ont été sélectionnés, ils ont perf à ce moment-là, ils sont qualifiés pour la finale, ils ont été tout frais payés, invités au Grand Prix du Castelégas, tout en bas de la France, d'accord. Donc c'est, voilà, tout est assez cher, tout est assez bien, machin, etc. Donc nuit d'hôtel tout payé, les Uber tout payé, ils ont vécu le GP de France en VIP, etc. Enfin, vous inquiétez pas, ils ont la belle vie, à la fin, il y a eu justement cette finale, voilà, c'était... c'est cool, donc vous en faites pas qu'ils étaient pas, parce qu'il y en a certains sur Twitter. Mais Gotaga, comment ça? Comment tu peux dire après au troisième que finalement il n'est pas dans le podium? Et j'étais en mode frère. Franchement, je pense qu'il a passé une très bonne journée, hein. Il a passé un très bon week-end, hein. T'es un peu méchant quand même avec nous. Mais ouais, un grand merci à Red Bull, parce que oui, forcément, à chaque fois on a des trucs ambitieux et ils nous suivent dans ça. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais même les moyens mis, genre moi tout seul, je ne pourrais pas. Déjà, j'aurais pas les contacts pour. En fait, toi, tu as une idée farfelue dans la tête et eux ils sont en mode c'est assez farfelu pour nous, ok. Let's go. Par contre, la difficulté du truc, c'est que faut prévoir ça très longtemps à l'avance, tu vois. Genre, si par exemple je veux faire un autre event comme celui-ci, imagine je veux le faire l'année prochaine, faut commencer à en parler maintenant. Faut déjà qu'on se setup maintenant pour avancer, quoi. Ouais, Doig, tu. Attends, Doig, est-ce que c'est un vrai frérot? Est-ce qu'il me suit depuis longtemps, vous pensez, les gars? Attends, je regarde vite fait. Oh la tristesse. Que dire? Ça se dit ami après. Follower depuis 6 heures. Ah là 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 là, ces gens quoi. Non mais c'est cool, en tout cas on a eu que des bons retours et effectivement en termes de stats, je crois qu'en stats ça fait un moment on a eu un pic à 50 000 viewers ou pas loin. Mais en termes d'ambition, c'était sûrement le plus gros. Plus que la Tour Eiffel, plus que Enguerrand-les-Bains, etc. Enfin je sais pas, moi en tant que coach du truc, j'ai trouvé tout le setup autour, etc. Tellement ambitieux que c'était pour moi le plus lourd à ce niveau là, tu vois. Même si ça a pas fait 250 000 viewers comme le Gotaga Show, tout le week-end et tout là, j'ai trouvé ça incroyable. Donc c'est cool que ça a été ressenti un minimum sur le chat. Manque de com concernant le live car perso j'étais pas au courant de ce que tu allais faire alors que le Gotaga Show était tellement que tout le monde est au courant. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais après, c'est parce que moi j'ai du mal aussi à com. Je suis tout l'inverse de Doig à ce niveau-là. Doig en général, il fait un truc, il va le surcom. Et des fois, tu peux être déçu. Quand on a notre duo le lundi, qu'il est en fait oh là là, ça va être un truc de ouf, les gars. À la fin du live, vous allez voir machin, etc. À la fin, tu peux être déçu. Moi, j'aime bien avoir ce côté où je t'en parle un petit peu. Et au moins, quand t'arrives, c'est que des surprises, tu vois. Tu t'attends à rien et du coup, c'est que bénéfique. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû un peu plus forcer. Après, on a fait une petite vidéo où j'en ai parlé. Mais c'est vrai que ouais, je le spammais pas, quoi. On a même pas fait la petite bannière. Tu sais, des fois, la petite bannière qui pop au-dessus du live. Des fois, il y a le shop qui pop ou des trucs comme ça. Là, c'est vrai qu'on a même pas eu le rappel de l'event. En même temps, le Gotaga Tour, il fallait remplir les salles et même il y avait 4 dates, c'est insane, normal que tu spammes. Ouais, mais du coup, tu sais, j'avais l'impression que ça pouvait en saouler quelques-uns parce que en fait, tu spammes, ça intéresse les personnes qui sont concernées par ces villes. Imagine, toi, tu, je sais pas, tu t'es canadien. T'es canadien et à chacun de mes lives que tu vois, t'as un streamer qui te spamme tout le temps l'information que je vais passer à Marseille dans 2 semaines et t'es en mode frère, je suis canadien, je m'en bats les couilles que tu passes à Marseille. J'ai pas compris, je viens d'Heureux, il fait quoi à Marseille? Il casse les couilles. Après, c'est normal qu'ils comprennent pas Doig le petit nouveau qu'il faut le plus 6 heures. On a fait une tournée, comment ça s'appelle, Doig Bye. J'aurais appelé Doug plutôt, je pense. Ça tirait mieux. Du coup, vous êtes dans la merde, c'est un autre son perse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rediffusions qui se font supprimer en ce moment. Donc là, c'est des playlists normalement où c'est sûr qu'elles ne sont pas copyright. Et au pire des cas, cette VOD que t'es en train de regarder, elle va rester un temps sur Twitch. Et au bout d'un moment, elle sera supprimée. On va être un peu plus sévère vis-à-vis des VOD et les supprimer au fur et à mesure, tu vois, pour être sûr qu'il n'y ait pas de délire où, tu vois, dans 2 ans, cette vidéo que t'es en train de regarder se fait strike parce que la playlist que tu entends d'entendre en ce moment, il y a une musique qui a percé et qui est devenue giga connue. Après, je crois, il y aura un truc, c'est un peu comme le permis, tu vois. Genre, tu perds des points, voilà, t'as fauté, c'est ta faute, t'as perdu des points, t'as un feu rouge, j'en sais rien. Au bout d'un moment, si ça va, tu vois, tu fais pas de conneries pendant. Je crois que c'est en nombre d'années que ça se compte, tu récupères des points. Là, ce serait bien que tu perdes des strikes au fur et à mesure, tu vois. Genre, moi, je sais que le strike pour le hate tracking, il était il y a 1 an et demi. Ah non, c'est 2 points par an? Ok.
Excusez-moi, je connais pas, je ne perds pas de temps en fait. Excusez-moi, du coup, je ne me suis pas intéressé au sujet. Je suis un pilote exemplaire. Il manque un concurrent direct pour Twitch pour qu'il soit plus clément. Mais c'est même pas une histoire de clémence, les gars, c'est qu'ils ont pas le choix. En fait, MV tout à l'heure a fait un très bon thread par rapport à ça. Il disait justement qu'ils ont un peu de retard à ce niveau-là. Ils se sont pris un peu tardivement et Twitch a explosé d'un coup, surtout avec tout le confinement. Le truc où justement il y avait de plus en plus de gens qui en parlaient, même dans les films, etc. Et du coup, bah forcément, c'est un peu les mêmes règles qu'a subi YouTube au préalable. Il y a certaines règles à respecter et tu ne peux pas utiliser l'image de quelqu'un comme tu le souhaites et c'est normal. Et du coup, les gens qui stream ou qui font des vidéos ne peuvent pas utiliser ton contenu, surtout si eux sont rémunérés derrière en utilisant potentiellement un peu de ton contenu quoi. Tu peux pas faire ce que tu veux, mais c'est vrai que ça fout un peu la pression, tu vois. Genre là, imaginons pour le live, là de lundi, vite fait, on va mettre 10 secondes de la musique mythique de la F1, tu vois, au moment du podium, tu sais, un petit attention quand même, parce que je chante bien, je pourrais, ça se trouve, je me ferais claim là, juste sur ce petit chant là. Ah, faire attention quand même, mais ouais, tu mets juste ça, boum, track, c'est fini, fin de tournage. Alors que toi, tu voulais juste ambiancer, tu vois, un peu live quoi, tu vois, que ça soit un peu RP quoi, par rapport à un podium, tout ça. Là, on est en train de parler de plein de solutions, de prendre un abonnement à Epidemic Sound. On est en train de demander potentiellement aussi peut-être à des artistes de faire des sons personnalisés, tu vois, que tu achètes. Donc ça coûte un prix, mais au moins, tu vois, ça arrive à faire des petites playlists de sons qui t'appartiennent, entre guillemets. T'as l'autorisation de diffusion, bah voilà, tu passeras un peu plus tranquille. Enfin, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Donc tu peux te faire strike en écoutant Vald. Bah ça dépend les sons de Vald. Là, je mets n'importe quel son de Vald, effectivement, c'est mon poteau, mais il y a des sons pas qui lui appartiennent pas, mais justement, c'est la maison de disque qui choisit quoi. Moi, je sais que il a fait toutes les dérogations entre guillemets, merci Greg, pour que je puisse passer à tout moment Gotaga de Vald. Il y a aussi le moment où il est passé où en exclu il nous a fait écouter Footballeur, mais là, je remets Footballeur, je pense que je peux me faire strike, oui, effectivement. C'était juste un passe droit le temps d'une soirée quoi. Oh, attends, on est monté à 2,6 millions les gars. Oh putain, on est monté à 2,6 millions, putain, on rattrape plus Squeezie les gars. On le rattrape. Putain, est-ce qu'on va le faire? Est-ce que Gotaga first ou Squeezie first? Putain, on le rattrape les gars, putain. Aïe aïe aïe. Putain, les gars, qui va être le premier à 3 millions de followers? Putain, la pression. Bah, tu sais quoi, je pense que je vais le faire maintenant, les gars. Je vais vous mettre en outro. Je vais y aller. Je pense qu'on a un petit peu parlé. De toute façon, je prévoyais pas de rester très longtemps. Je suis mis au loco pour quand même qu'il y ait une bonne cam, etc. Pas le fond vert dégueulasse. Et je voulais vraiment vous parler après ce déban et surtout avoir vos retours par rapport à l'event parce que ça me tenait un petit peu à cœur. J'étais très stressé au préalable. J'avais beaucoup d'appréhension. J'avais pas trop quoi en penser. Et au final, j'étais très 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 content, très très satisfait. Et j'ai trouvé que toute l'équipe avait vraiment très bien bossé dessus. Content que vous ayez kiffé, les potes. Je vous dis à demain. Demain, reprise des lives. Moi, je vous fais plein de bisous, les potes. Merci d'avoir été là. Vous êtes géniaux. Et puis encore merci pour le support que vous m'avez apporté sur Twitter, ça fait du bien de se sentir, j'allais dire aimé, mais de se sentir soutenu par la communauté. Moi je vous fais des gros bisous, voilà, on n'en a pas encore fini les gars, on n'est pas encore mort, on n'est pas encore ban, on tiendra un peu le coup. Et puis je vous dis à demain, passez une agréable soirée, merci à tous, et des bisous, tout simplement.